Yo les gens, vous vous souvenez quand on avait modélisé ce petit support de peinture? Eh ben aujourd'hui tout est imprimé et on va tout assembler et on va mettre un petit peu de peinture. Bien, toutes mes pièces sont sorties, elles sont là et on va commencer à appliquer comme d'habitude la petite couche de gesso pour pouvoir lisser un petit peu tout ça et on va y mélanger un petit peu de peinture noire comme celle-ci. Ça permettra d'avoir une espèce de sous-couche un petit peu teintée pour pouvoir mettre la couleur que j'aurai envie de mettre par la suite. Donc je vous rappelle que c'était un objet qu'on a modélisé il y a quelques temps sur le logiciel de Maya, mais que vous pouvez regarder la vidéo, je vous mets le lien dans la description ou dans le petit en haut à droite de l'écran. Alors au niveau de la peinture, comme j'ai dit, on va attaquer avec la sous-couche de gesso. Le gesso, vous savez, c'est ce que je mets toujours pour essayer de lisser un petit peu mon impression, ça fait la blague, ça marche plutôt bien et c'est pas cher. Et je mets toujours un petit peu de couleur selon le fond que j'aimerais avoir de ma sous-couche. Donc là je vais y mettre un petit peu de noir. Je rajoute aussi un petit peu d'eau histoire que mon mélange soit un peu plus fluide et plus facile à appliquer sur l'ensemble de mes pièces, tout simplement. J'applique le tout assez grossièrement sur l'ensemble de mes pièces. J'essaie quand même d'éviter de laisser des grosses traces de pinceau qui sont pas belles, hein. Évidemment, on aimerait quand même avoir un objet assez propre et fini. Donc les grosses traces de pinceau qu'on voit ici, je vais essayer de les faire disparaître par la suite pour avoir quelque chose de fini et de plutôt joli. Je vais aussi essayer d'en mettre deux couches. Donc là je vais en mettre une seule parce qu'on voit très bien que ça couvre pas très bien. Donc je vais plutôt le faire en deux couches plutôt que d'y aller avec une seule couche qui va faire un petit peu des pâtés pas très jolis. Voire trois couches si jamais vous avez envie, hein, que vous avez le temps. Moi je me suis arrêté à deux couches mais c'est possible d'en faire plus. Et une fois que du coup nos couches seront appliquées avec ce gesso qu'on a coloré, eh bien on va attendre et on va laisser sécher comme d'habitude avant de passer à l'étape suivante. Voilà, mes pièces sont à présent sèches et on va pouvoir appliquer la peinture finale sur l'objet. Alors je dis finale parce que là cette fois-ci on va utiliser une méthode un peu plus rapide que d'habitude pour éviter d'avoir à attendre des séchages, etc. etc. On va essayer d'appliquer le tout ensemble sans trop attendre que ça sèche. Donc pour ça je vais prendre un marron qui sera ma couleur de base. En fait, avec un petit peu de jaune, ça va être un petit peu pour l'éclaircissement. Et je vais aussi mettre de côté quelques petites pointes de blanc et de noir. Ça va être si besoin en fait de corriger quelques tonalités au niveau de la peinture. Donc ce que j'essaye de faire, c'est une peinture type boisée. En fait, on va pas non plus faire un bois trompe-l'œil, hein, on n'a pas parlé de ça. Mais quelque chose un peu dans les tons de bois, en fait, hein, pour rester un petit peu sur les marrons, quelque chose de chaud et agréable. Donc pour ça, je prends ma couleur de base ici, donc mon marron, qui est un marron assez classique. Hein. Je prépare aussi le jaune qui va servir en fait à créer les espèces de petites nervures qu'on peut avoir et le rendre un peu plus tendre, entre guillemets, ce bois. Donc je commence, j'applique mon marron à peu près de manière uniforme partout sur mon objet. Alors ici je commence par le petit boîtier, le petit caisson, hein, mais on va appliquer exactement le même procédé sur toutes les parties de notre support de peinture. Hein. Donc vous pouvez commencer par celui que vous voulez, il n'y a pas de souci, le principe sera exactement le même de partout. Une fois que ma peinture est appliquée de manière donc uniforme, je ne vais pas attendre spécialement que ça sèche et je vais mettre des petites touches de jaune. Alors je vais quand même éviter de mettre le jaune pur directement sur l'objet, je vais le mélanger avec le marron que j'avais déjà juste avant. Et vous voyez l'espèce de mélange qui va se faire directement aussi sur l'objet. C'est ça qui va créer un petit peu ces tonalités, ces effets de bois, les variations de couleurs et de textures. Je fais ça aussi dans le sens horizontal pour simuler en fait hein, les nervures du bois. Je prends un tout petit peu de noir et un tout petit peu de blanc, je les prépare sur ma palette, on le voit ici. Ça va être pour pareil encore créer un petit peu de variété par-ci par-là. Donc là j'en applique un petit peu et l'avantage d'avoir toutes mes couleurs sur ma palette aussi en même temps et que je ne laisse pas sécher, que je fais mon mélange directement sur mon objet, ça me permet de corriger quand je vois qu'il y a des choses qui vont pas trop. Vous voyez par exemple que là le noir quand je l'ai appliqué, j'ai vu que c'était très sombre et que ça correspondait pas forcément à ce que je voulais. Du coup je corrige en rajoutant après derrière un petit peu de jaune et le marron et je recouvre après par dessus. C'est pas grave si ça fait des mélanges un peu chelous en fait, parce que justement c'est ça qui va créer un petit peu de vivant sur l'objet. On veut pas quelque chose non plus de trop uni, trop fermé, on veut quelque chose d'assez vivant et qui soit un peu naturel en fait. Hein. C'est ça aussi la nature, c'est que bah, tout n'est pas complètement carré.
Donc ben, voilà, c'est pas grave s'il y a un peu de noir, un peu de foncé, un peu de clair, du blanc. Je cherche en fait un petit peu voilà aussi sur l'objet. J'ai pas quelque chose de très très fermé sur lequel j'avais prédéfini comment ça allait se passer, si j'allais mettre mon noir ici ou là-bas, etc. Non, honnêtement, vraiment, j'en sais trop rien en fait. Hein. J'applique un petit peu au feeling en fait, tout simplement. Je vais succéder comme ça, ce genre de petites couches, jusqu'à trouver voilà la petite tonalité, la couleur et le mélange qui me convient. Et toujours, alors ça par contre c'est important, mais c'est d'essayer de l'appliquer toujours dans le sens horizontal pour créer ces lignes de bois en fait. Alors tout en peignant les différentes parties de mon objet, je me rends compte un petit peu de ce qui marche et ce qui marche pas par rapport justement à ces mélanges de couleurs que je fais un petit peu sur le tas. Par exemple, je me rends compte que le noir, voilà, c'est quelque chose, c'est vrai, qui ternit beaucoup hein, les couleurs et les mélanges, ça assombrit un petit peu trop et c'est peut-être pas forcément l'idéal. Plus je vais évoluer en fait dans la peinture de l'objet et plus je vais me rabattre à jouer uniquement sur les couleurs marron, jaune et un petit peu de blanc en fait. Je trouve que ça rend mieux et ça casse beaucoup moins les couleurs. J'aurais pu m'en douter d'ailleurs hein, avant de commencer à me lancer sur tout ça et que j'aurais pu jouer juste uniquement sur ces couleurs-là. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça un petit peu hein, la bidouille, hein, c'est que je sais jamais non plus honnêtement comment je vais faire mes objets. Hein. Alors aussi l'inconvénient de cette méthode, vous voyez, c'est comme je laisse pas forcément sécher ma peinture, bah, c'est qu'on s'en fout vraiment de partout. Il y a qu'à voir les toits de mes doigts à ce moment-là de la vidéo, c'est que c'est vraiment un carnage. Voilà. Après c'est que de l'acrylique, hein, y a rien de définitif, c'est quelque chose qui part très très bien à l'eau chaude, d'accord, hein, pas la peine non plus d'utiliser des produits chimiques ou je ne sais quoi, hein, de l'eau chaude ça suffit largement. Pareil aussi, hein, évidemment, si vous faites de la peinture, pensez à protéger le plan de travail. Moi j'utilise, alors c'est vrai que ça fait peut-être pas très propre sur la vidéo, mais c'est un vieux chiffon que j'ai et que j'utilise uniquement justement pour faire de la peinture. Je mets sur mon petit plan de travail, sur mon bureau, ça permet de protéger l'environnement et d'éviter un petit peu de salir tout. Alors ici à cette étape là de la vidéo, on voit que j'ai pris ma couleur marron que je me suis servi de base, j'ai rajouté un petit peu de blanc et de jaune, ce qui a fait les éclaircissements, et là juste avec la pointe de mon pinceau, je viens chercher juste du marron pur, et je viens y faire quelques petits traits en fait, assez irréguliers, hein, je veux dire de manière un petit peu aléatoire, pour essayer de contraster justement ce fond que j'avais éclairci avec mon blanc et mon jaune. Je trouve cet effet là assez sympa et ça fait plutôt bien la blague. Donc voilà, donc toujours un peu de manière aléatoire, j'évite d'être dans l'autre sens, hein, le sens de la verticale, toujours sur l'horizontale, pour simuler un petit peu ces traits de bois. Quand j'arrive aussi sur mes petites plateformes que je vais utiliser pour mettre les pots de peinture, j'utilise aussi encore le même principe, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, hein, de passer sur le marron et l'avoir éclairci, et ensuite le renforcer, le contraster, et là j'utilise même un petit peu de noir, vous voyez, pour pouvoir encore renforcer ce contraste et vraiment bien faire ressortir les veines du bois. J'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà, et encore une fois, j'attends pas que ma peinture sèche sur mon objet, j'applique vraiment l'ensemble de mes couleurs, sans vraiment que ça sèche, et je fais le mélange directement, vous voyez, sur le support. En fait, tout simplement, ça permet de gagner du temps. Hein. C'est ça aussi l'idée de pas forcément attendre, c'est que c'est voilà, c'est pour gagner du temps. Ça marcherait aussi bien si j'avais attendu que ça sèche. Hein. L'effet serait peut-être légèrement différent. Il faut peut-être maîtriser différemment la peinture. Mais là, ça me permet voilà de pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement, pas attendre que ça sèche et avoir le résultat que je veux. Quoi. Voilà l'ensemble de mes parties de mon objet qui sont à présent terminées au niveau de la peinture. Donc là je vous ai tout étalé ici et on va attaquer donc la partie où on va en coller l'ensemble en fait, hein, on va tout rassembler et préparer et mettre la colle. Donc la colle que j'utilise, toujours pareil, c'est de la colle vinylique classique qui colle à peu près tout, hein, que ce soit papier, bois, carton, plastique. Là c'est du plastique, ça tombe bien, ça fonctionne. Donc je prépare, je mets ma colle et j'emboîte mes pièces. Donc comme j'avais préparé l'emboîtement, j'avais testé bien évidemment avant, hein, toujours pareil, hein, avant de se lancer sur le collage final, on prépare un petit peu, voir si tout s'emboîte bien. Donc évidemment il a fallu un petit peu gratter avec une lame de cutter, mais rien de bien méchant, rien de bien long. Je prépare mon plan de travail pour éviter de tout salir, hein, s'il y a de la colle qui se mettait à dégouliner un petit peu de partout. Et donc je vais me mettre sur ce sens là,
Tout simplement pour pouvoir mettre l'ensemble de mes pièces et après pouvoir poser un petit poids dessus qui va maintenir l'ensemble. Donc là j'ai fait un test avec la première, je vois que ça le fait et je vais pouvoir mettre du coup directement les autres parties. Donc je mets ma colle sur l'ensemble des petites rainures des plaques du côté hein, et après j'aurai plus qu'à emboîter donc tout mon ensemble et attendre que ça sèche. Donc c'est une colle vinylique qui a besoin d'un assez long temps de séchage quand même, par contre hein, ne vous attendez pas à ce que ça sèche aussi vite que de la super glue. Celle-ci j'attends en général 24 heures si je veux être sûr que ça ait bien pris, voire même plus selon les pièces et la quantité de colle qu'on va mettre. C'est-à-dire que si vraiment on met beaucoup de colle, il va falloir attendre encore plus longtemps. Ça m'est arrivé sur des pièces qui respiraient mal en fait, devoir attendre 48 heures voire même plus. Alors c'est pas gênant en soi hein, si c'est long. Mais c'est juste qu'il faut faire attention en fait, hein, parce que ça peut bah, du coup fracasser l'objet et devoir tout recommencer. Donc n'hésitez pas à attendre le temps qu'il faut avant de commencer à manipuler l'objet. Si après vous êtes vraiment pressé, bah, allez-y, hein, à coup de super glue, ça marche aussi. Perso, j'aime pas trop la super glue parce qu'après ça peut vraiment casser l'objet en fait. Plus que si jamais il y a des forces qui vont se faire sur l'objet, trop de poids ou autre, c'est carrément les bouts de plastique qui vont se casser. Ou alors aussi se fondre. C'est vrai que des fois la super glue ça a tendance à chauffer sur les objets et comme là c'est du plastique ça peut le faire fondre. Donc ça peut être vraiment galère et embêtant selon ce qu'on est en train de faire. Si on veut récupérer ou autre, ça nous laisse beaucoup moins de souplesse en fait, c'est ça le souci. Alors aussi l'objet, pendant que là je suis en train de galérer à essayer de faire tenir mon ensemble, j'aurais très bien pu le vernir. Je l'ai pas fait parce que je sais que je vais pas avoir trop de manipulation dessus. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Un vernis classique que j'utilise régulièrement, hein, que ce soit le vernis Cléopâtre ou alors je me suis acheté dernièrement du Valero qui marche plutôt bien aussi, hein, donc brillant, mat, satiné, alors ça c'est à vous de voir. L'essentiel, toujours pareil, c'est qu'il puisse tenir sur de l'acrylique et sur du plastique. Voilà, le séchage est terminé, l'objet maintenant a pris forme et j'ai même mis, voilà, du coup, mes petits flacons de peinture. Donc ça y est, je vais pouvoir ranger un petit peu le Bronx qu'il y a sur mon bureau. Alors voyez ici, du coup, les pots de peinture qui tiennent plutôt bien, d'accord. Un petit détail, on voit que sur le bas, j'ai pas mis de plaque et j'aurais pu m'en douter, mais du coup, les petits flacons du dernier étage, donc vers le bas, ne tiennent pas très très bien. Ce qui est un petit peu dommage, mais ça peut se corriger. Ici le petit casier, donc bon j'ai pas peint ni l'intérieur ni le dessous, ça c'est mon problème, c'est parce que j'avais envie d'économiser de la peinture. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, j'aurais peut-être dû, je le regrette un petit peu d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Mais sinon vous voyez, l'ensemble s'emboîte plutôt bien, ça permet de ranger quelques conneries si jamais il y a besoin. Je m'en suis déjà servi pour ranger des petits bouts de figurines ou autre, c'est plutôt pas mal. Les flacons passent plutôt bien, il n'y a pas eu besoin de poncer, donc les dimensions sont justes et bonnes. Les trous ici sur cette version là qu'il y a pour maintenir les pinceaux sont trop petits, et là j'ai mal géré, mais c'est pas grave, la version que je vous donnerai aura les trous aux bonnes dimensions, d'accord, hein, j'ai corrigé ça et normalement ça devrait le faire. Et bien écoutez, voilà, maintenant du coup l'objet est terminé, vous pouvez retrouver les liens en téléchargement de l'objet si vous voulez l'imprimer vous aussi dans la description comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis ciao, à la prochaine.